Le cinéma de science-fiction nous avait familiarisé avec l'avènement de la robotique dans nos sociétés. Le film Terminator, censé nous mettre en garde contre l'affluence grandissante de robots de plus en plus intelligents, ne fera en fait qu'en stimuler l'essor. Les effets spéciaux étaient tellement fascinants qu'ils finiront par en marquer le subconscient des enfants qui regardent le film. Et ces enfants, en grandissant, auront tendance à vouloir fabriquer ce qu'ils ont vu dans le cinéma. Bien que la robotisation accélérée de nos industries suivait en fait une stratégie économique destinée à se débarrasser d'une main-d'œuvre humaine coûteuse, on peut dire aujourd'hui que cette politique de robotisation semble intéresser de plus en plus les forces de l'ordre de certains pays. Par exemple, la police de Dubaï se prépare à utiliser des robots de conduite autonomes. Les premiers véhicules robotisés seront livrés au mois de décembre 2017. Bah, c'est un véhicule autonome électrique qui fait équipe avec un drone pour signaler les délits commis. Les forces de police de la ville seront ainsi les premiers au monde à déployer le robot autonome OR3, conçu par la start-up Otsao Digital basée à Singapour. Bah, d'autres polices dans le monde vont suivre le même exemple, en dotant progressivement de véhicules de patrouille autonomes. Dans un premier temps, ils expérimenteront ce genre de véhicule dans de petites localités, hein. Ils vont en améliorer les capacités, par la suite, les utiliseront sur certaines grandes avenues. Bah, les premières voitures expérimentales ne pourront circuler que sur une seule avenue, et cela pour éviter les accidents. Ce genre de voiture sera suivi par une autre voiture conduite par de vrais fonctionnaires de police, hein. Et grâce à un écran, ces policiers pourront regarder ce que filme la voiture robotisée. Et je pense que ces premières voitures circuleront aux États-Unis. Maintenant, je vais vous faire montrer la vidéo de la petite voiture robotisée qui va équiper la police de Dubaï.